Lady Pons de son vrai nom Adèle Ruffin Gono. Et le 24 juillet 1983, elle est originaire du centre, elle est née à Malmayo, alors une chanteuse artiste camerounaise. Alors elle a fait dans les Bikoksi et elle a bientôt 39 ans. N'oublions pas surtout de revivre cette très belle ambiance à l'Australie, d'où elle séjourne pour le nouveau album, puisque elle a une nouvelle coupe de voiture qu'on appelle limousine. Il y a la télé dedans, il y a la douche dedans, il y a tout dedans. Regardez cette très belle ambiance depuis l'Oscarie de Lady Pons. N'oubliez pas de, surtout si la vidéo vous a plu, de partager, de liker. Et n'oubliez pas, Lady Pons, de son vrai nom Adèle Ruffin Gono. Lady Pons, de son vrai nom Adèle Ruffin Gono. Née le 24 juillet 1983, elle est originaire du centre, elle est née à Malmayo, alors une chanteuse artiste camerounaise. Alors elle a fait dans les Bikoksi et elle a bientôt 39 ans. N'oublions pas surtout de revivre cette très belle ambiance à l'Australie, d'où elle séjourne pour le nouveau album, puisque elle a une nouvelle coupe de voiture qu'on appelle limousine. Il y a la télé dedans, il y a la douche dedans, il y a tout dedans. Regardez cette très belle ambiance depuis l'Oscarie de Lady Pons. N'oubliez pas de, surtout si la vidéo vous a plu, de partager, de liker. Et n'oubliez pas, Lady Pons, de son vrai nom Adèle Ruffin Gono. Née le 24 juillet 1983, elle est originaire du centre, elle est née à Malmayo, alors une chanteuse artiste camerounaise. Alors elle a fait dans les Bikoksi et elle a bientôt 39 ans. N'oublions pas surtout de revivre cette très belle ambiance à l'Australie, d'où elle séjourne pour le nouveau album, puisque elle a